Salut tout le monde, c'est Chinoxouris, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Pokémon version Vertfeuille. J'espère que vous allez bien les amis, ça fait très 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 longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et j'en suis désolé, c'est vrai que depuis maintenant la dernière fois, c'était au mois d'octobre, que j'ai posté le dernier épisode, donc c'est vrai que ça fait vraiment longtemps et j'en suis désolé. Et vraiment, je tiens à m'excuser parce que du coup, c'est vrai que manque de temps ou de motivation, c'est vrai que j'avais pas envie de me forcer à tourner, j'avais pas envie. Et surtout manque de temps parce que voilà, j'étais sur autre chose, sur d'autres trucs, entre mon boulot, voilà, enfin voilà. Vraiment pas le temps et voilà, je tiens à m'excuser. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai enfin repris le temps et la motivation de pouvoir retourner. Et donc voilà, aujourd'hui, on va reprendre au taquet les activités. Alors du coup ça fait assez longtemps que j'ai pas joué donc du coup je me rappelle plus. Je voudrais revoir un peu mon équipe. Voyons voir qui c'est que j'avais. Roukoups niveau 22, Kadabra niveau 24 et Carabaf niveau 26. Écoutez, ça m'a pas l'air trop mal. Donc on s'était laissé dans l'océan, le bateau de Carmin sur mer, parce qu'on avait besoin de récupérer la CS Coupe. Et tout se situe donc ici. Donc ce qu'on va faire, on va continuer notre exploration. Alors, ouais, donc voilà, donc surtout si aujourd'hui j'ai décidé enfin de reprendre, c'est parce que j'ai un abonné, et voilà, c'est lui qui m'a relancé, du coup, ben, d'un côté, je le remercie de m'avoir fait relancer un peu le jeu, et je le remercie surtout lui de suivre mon aventure. Donc aujourd'hui j'ai décidé donc de reprendre grâce à lui l'aventure et voilà, c'est vrai que maintenant je me ressens motivé pour retourner un peu d'un côté, que ça fait très longtemps la verre. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait la Vertfeuille là depuis le temps. Donc on va progresser dans ce bateau, on va voir combien de temps ça va prendre. J'ai essayé de pas faire un épisode trop long non plus, hein. C'est pas le but de... C'est pas mon but de faire des vidéos trop longues, donc voilà. Mais on va reprendre bien tranquillement et j'ai essayé de refaire un peu de... Et de ne pas reprendre trop de temps entre chaque épisode. Voilà, donc c'est parti, on va descendre ces escaliers. Alors, on va prendre une poubelle. Ah, une hyper potion, c'est cool. J'ai bien fait de fouiller. Allez, première porte. Un matchhopper. Mon Pokémon, matchhopper est super fort. Sa force lui permet de bouger les rochers. Ouais, si tu veux, un objet. Et une super potion, ça c'est cool. Allez. Donc on va poursuivre notre progression dans ce bateau qui est assez long. Ah, un dresseur là. Ma réputation de marin est en jeu. Pourquoi pas. Un combat est lancé par Marin Ludovic. Hippotrempe est envoyé par Marin Ludovic. Niveau 17, ok. Roukoups, niveau 22, et ça il va faire l'affaire. On va lui faire vive attaque pour commencer. Oh, ça me fait bizarre de jouer à ce jeu parce que c'est vrai que bah, depuis le dernier épisode, entre temps, il y a eu Pokémon Saphir, Alpha, Ruby, Omega qui sont sortis sur 3DS et bah, moi j'en ai profité pour me les prendre et pour y jouer. Et elles sont franchement géniales. Bon, je ferai pas de vidéo sur ces jeux parce que je n'ai pas de capture board malheureusement pour filmer la 3DS. Et je ne compte pas m'en prendre parce que ça m'embêterait plus qu'autre chose. Mais bon, voilà. Juste pour vous dire que ces jeux sont vraiment, vraiment bien, bien sympas. Par contre, vu qu'il a augmenté sa défense, on va lui faire une attaque physique spéciale. Ouais, bon. Défense de coquillasse augmente. Une tornade. Et voilà, c'est terminé. Tac, niveau 23 pour vous. C'est parfait ça. Hop, Tentacool va être envoyé par Marin Ludovic. Vous voulez jouer un champ de Pokémon? Non. Bon. Alors oui, on m'a proposé aussi de mettre dans l'équipe un Electek ou un Voltali. Alors pour l'instant je sais pas, étant donné que je crois qu'on peut pas avoir d'Electek dans la Vertfeuille, c'est Magmar qu'on récupère. Pour un Voltali, à la limite, pourquoi pas, bien que j'ai pensé à prendre, justement, pour avoir si on a Evoli. Tu sais ce qu'on raconte sur les marins et les duels. Marin, Léonard, ok, coquillasse.
Bien que j'ai pensé à... Bon, j'avais pas l'intention de vous le dire, mais j'avais bien pensé à mettre Pirolli peut-être dans l'équipe. Ah, quoi qu'attendez. J'étais en train de réfléchir. Non, mais non, justement, oui. J'avais prévu de mettre justement Voltali dans l'équipe. Et pour avoir un type feu, j'ai pensé à Goupix pour avoir un Feunard. Ouais, c'était ce que j'avais prévu depuis longtemps. C'est juste... C'est, par contre, je ne sais pas pour le sixième. Je ne sais pas encore pour le sixième. Ça, je verrai. Je verrai le moment venu. Je ne sais pas trop... encore trop qui je vais prendre. Bien que j'ai une idée, mais pour ça, il faudrait que j'espère le... Bah, le capturer. Aïe. Ouais, aïe, ça va faire mal. Arrête, suffit, voilà. Super efficace, il m'a touché 3 fois quand même. Non, oups, fail. Donc là, on va le changer parce que j'ai pas risqué mon Rookups et on va prendre Kadabra. Kadabra qui a une valeur sûre, hein, on le sait bien. Dommage, je pourrais pas le faire évoluer en Alakazam parce que vu qu'il évolue via échange. Mais bon, bah c'est pas grave. Ah, c'est pas vrai. Mais bon. Je viens de calculer qu'il me vient de me faire un ultrason, quoi. Wow. C'est pas grave. Voilà, bah, on a battu mon Lona. Ouais, beau combat, très bien. Et du coup, oui, donc voilà, j'avais pensé justement, oui, à mettre justement Voltaï dans l'équipe. Et ainsi que Goupix pour un type feu, donc pour avoir Feunard. Donc voilà, celui qui m'a proposé ça, justement, ouais. Donc ne t'inquiète pas, j'ai bien l'intention de mettre Voltaï. Voilà, ça vient de me revenir. Ça vient de me revenir. Donc, ouais, ça va pas être mal. Et, et peut-être pour le dernier, ça dépend de quand je l'ai, mais je crois que ça peut se faire aussi. Ah ouais, bah, je crois que le sixième Pokémon que j'avais prévu de mettre dans mon équipe, je crois que c'était Dracolos. Histoire d'avoir un bien puissant. Voilà, voilà. J'arrive pas à parler. Ça fait longtemps que j'ai pas commenté, ça se sent un peu. Ça fait assez longtemps, j'ai oublié comment on commentait une vidéo. Faut que ça me revienne. Ça va le faire. Puis là, c'est pas un gros jeu d'action où il faut réfléchir et commenter en même temps. Là, c'est juste un petit jeu tranquille, un petit jeu posé, voilà. Histoire de se poser. Ah, par contre, vous êtes sûrement au courant, il y aura bientôt, bon, je pense que vous êtes au courant, de toute façon on en entend parler depuis un petit moment, mais il y a Resident Evil Révélation 2 qui va sortir, étant donné que je vous ai fait le 1, ben, je compte vous faire le 2. Donc voilà, et c'est pour ça, à voir si j'arrive à finir ce let's play avant sa sortie ou pas. Sinon, bah, je commencerai l'aventure sur Révélation 2 et je ferai en même temps... j'intervertirai entre les deux, quoi. Je proposerai deux vidéos dans la semaine à peu près. Une vidéo sur Pokémon en début de semaine, par exemple. Et dans le week-end, je vous proposerai une vidéo sur Resident Evil. Je pense que ça peut être pas mal. Mais on verra, le jeu n'est pas encore sorti de toute façon, et il sort... Je sais plus quand est-ce qu'il sort. Encore faudra-t-il que je puisse vous le tourner, parce que à voir si j'arrive à régler mon problème... Peut-être que maintenant mon problème sera réglé de mon boîtier d'acquisition. Je verrai si ça marche mieux, si ça bug plus, comme avant. Et si ça bug plus, bah, ça sera tant mieux, on verra, de toute façon, hein, c'est pas... Aïe. Tue-le. Ouais, c'est bon. Si ça marche, ça sera tant mieux. Comme ça, je pourrais vous retourner. Si ça marche plus, ben tant pis. Mais j'espère que ça remarchera bien. Après, de toute façon, si ça marche pas, ça viendra pas de mon ordi. Parce que j'ai fait quelques petits problèmes. J'ai réglé quelques soucis avec mon ordi. Du coup, ça marche mieux qu'avant. Mon ordi marche mieux qu'avant. Et c'est à l'étranger. Parle un peu. Tous mes Pokémon viennent de la mer. Et du coup, ça fait que. Il tourne mieux qu'avant, et c'est fait que je pense que maintenant, bah, utiliser mon boîtier d'acquisition, bah, ça sera pas trop un problème pour lui. Par contre, changer,
Et changer parce qu'il est un peu mal barré mon Rookups là. Ah, oh, Ultrason, fait chier. Hop. Rafale Psy. Vas-y, t'es pas confus, c'est bon. Et du coup, bah, si vraiment mon boîtier d'acquisition remarche comme avant, bah, c'est tant mieux, sinon ça sera mon boîtier d'acquisition qui serait mort et pas mon ordi, je pense. Et là, ça me ferait un peu chier, et du coup, je pense pas en racheter un, quoi. Donc, du coup, ça fait que je proposerai plus de contenu sur console. Bon, enfin, on verra, pour l'instant, on n'en est pas rendu là. D'abord, je finis cette aventure, ensuite, on verra. Voilà. Hop, on va garder le cadavre pour l'instant. Ah, il est toujours confus. Hein. Aïe, yeah. Ça y est, ça commence, ça fait un temps. Ah, c'est lactique, ça va durer 3 ans, ça. Les attaques qui durent plusieurs tours, c'est chiant. Enfin, qui frappe plusieurs coups. Ah, bon, ça va deux fois. Pour le coup, ça va pas durer longtemps. J'espère juste que... Vas-y. Ah, nickel. Hop, il est presque niveau 25, ça c'est cool. Juste celui-là s'est échappé. Ouais. Allez. Bon, il y en a des dresseurs. Si j'y perds, on te balance au requin. Je me demande comment je vais nommer cet épisode. J'ai peut-être trouvé. On verra. Vas-y, lance une tornade et tue-le. S'il te plaît, tue-le. Ah. Aïe. Bon. Mais bah, recoupe ses KO. J'aurais dû utiliser une potion. Pas très malin de ma part. Tant pis, ça m'apprendra à faire n'importe quoi. J'aurais espéré qu'il le mette KO. Et bah, il l'a pas fait. C'est dommage. Tant pis. On ira le soigner après. On ira le soigner en remontant. Niveau 25, c'est cool. Soin. Ah, intéressant. Protection, Larsin, c'est un peu une attaque merdique, donc on va la virer. Je vais garder protection pour l'instant, ça peut être utile de monter notre défense. Défense ou défense SP, je sais plus. Enfin bref, ça peut être utile d'augmenter notre défense pour encaisser un peu mieux les attaques. Bon, au moins on a fini cette zone là, donc on va remonter et on va aller sonner dans la cabine. Hop là. Toc toc toc. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là normalement. Je crois. Hein. Voilà. Tout tout tout. Content de voir que tout le monde va bien. Merci bien. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner sur la prochaine. Waouh. La prochaine zone du jeu. Donc là, j'y suis déjà allé dans l'épisode précédent, je m'en souviens. Voilà, on peut monter. Qu'est-ce que tu dis? Je sais que ce bateau accueille tous les dresseurs. Dans chaque port, nous organisons une pour les dresseurs. Ok, on va aller là. Le capitaine est un maître d'armes, il utilise souvent coupe. Et l'ancien SP Pokémon a la capacité coupe, voilà. Et notre but, c'est de récupérer cette CS pour pouvoir aller à l'arène. On fera dans le prochain épisode. Gueux, je suis malade, mais bientôt vous... Ok. La fête est finie, nous allons bientôt lever l'encre. Oui, t'as le mal de mer. Et ben non. Désolé de te décevoir, mais j'ai pas le mal de mer. Donc on va lancer par Marin Trevor. Matchock est tombé par Marin Trevor. Donc le Matchock cette fois. Ah bah en plus il est niveau 17. Une tornade devrait suffire. J'ai hâte d'apprendre cruel aussi par contre, accessoirement. Oh là, c'est pas vrai. Il est vraiment bidon mon recoupe ça. Niveau 25. Hop. Tentacool. Avec son type poison, on va lui envoyer Kadabra. On va lui faire une rafale psy, ça va le calmer. Hop. Rafale psy. Parfait. C'est super efficace. Au moins, c'est réglé. Oh, beau combat. 544. Ça, c'est... Et toi, là, tu danses un tango.
C'était un dresseur aussi, donc. Donc on va lancer par Marin Edmond. Matchock qui est envoyé par Marin Edmond. Encore un Matchock, niveau 18. Ah, celui-là, il est KO. Enfin! Enfin, j'en mets un KO d'un coup. Coquillas, non, on va garder notre coupe pour l'instant. Vive attaque. Là, il a fait charge, ça va. Une petite charge pour le finir. Voilà. Très bien. Belle technique. 576 Pokédollars. Yeah, briquer le pont, c'est un travail épuisant. Hop, voilà. Ah, c'est vrai qu'on peut courir dans le jeu. Ça va aller plus vite comme ça. Hop, bon, on a bientôt fini le bateau, c'est cool. Il nous reste plus que cette zone. De tous mes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il était un peu comme ça. C'est un Ronflex. C'est accessoirement le fameux Pokémon qui nous bloque la route un peu plus loin. Hé, hey, regarde ce que j'ai pêché. Ben, vas-y, montre-moi. Qu'est-ce que tu as pêché? Un combat lancé par Pêcheur Fabio. Poisson sirène est envoyé par Pêcheur Fabio. Par contre, accessoirement, j'ai l'impression que vu que je me suis un peu occupé de mon orange, du nettoyage et tout, bah, l'émulateur, j'ai l'impression qu'il saccade moins question. Rien que sur les musiques, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Franchement, il tombe bien mieux, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça me donne. Donc, à voir, c'est tant mieux. C'est-à-dire que du bon boulot a été fait dessus. Bon, on va en continuer avec une tornade pour l'instant. Tornade. Voilà. Et niveau 26, recoupe ses montagnes. Par contre, recoupe, ce qui est bien, c'est qu'il monte plutôt vite aussi. Et ça, c'est génial. Oui, on va changer, on va prendre Kadabra. Parce que le poison craint le psy. Ah, franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir pris, ce Kadabra. Il est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est avec lui que je ferai l'arène, parce que vu que c'est une arène, bon, je le dis, c'est une arène de type électrique. Et ben, mon Rookups et mon Kadabra vont pas. Mon Karaba vont pas faire mon feu. Et je pense que Kadabra, lui, fera l'affaire, de toute façon. Parce que Girap, lui, c'est une. Les attaques électriques, c'est des attaques tout à fait basiques. Hein. Et moi, je ferai des dégâts équitables. Voire même plus, puisque du coup. Les duels contre les jeunes me maintiennent en forme. Ok. Un combat est lancé par Gentleman Sammy. Pikachu. Ouais, alors par contre, j'aurais dû me rappeler qu'il envoyait Pikachu. Voilà. Donc on va mettre Kadabra, hein. on va pas faire électrifier notre. Bon, on va voir qu'il fait un reflet, pourquoi pas. Alors, Rafalpsy. Et voilà. Gentleman Sammy. Wow. Ah, je me sens en pleine forme. Ok. Poussière étoile. Ah, ça c'est un objet à vendre. Ça c'est cool. Ça va me faire un peu d'argent. Tiens, j'ai vu des Pokémon transporter des gens sur l'eau. Les Pokémon peuvent couper des petits buissons avec coupe. Mais n'oublie pas, coupe est une CS. Une fois apprise, on peut pas facilement l'oublier. Ouais. C'est le problème de la DCS. Bon, quand c'est une CS utile comme Surf ou Vol, ça va. Mais pour les autres... Qu'est-ce que tu préfères? Un Pokémon costaud ou rare? Difficile. Un Pokémon rare et costaud à la fois, c'est pas mal. Le pire, c'est qu'il y en a, hein. Des Pokémon costauds et rares. Ah, Kalinos. J'adore ce Pokémon aussi. Mais il est dans la rouge. Nous, on a Goopix. Et la rouge, ils ont Kalinos. Tiens, d'ailleurs, vous préférez qui entre
Arcana et Fenard, dites-moi donc. Un Ponyta, oui. Ah bah, c'est Ponyta, type feu. On va envoyer Carabaf. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec notre petit Carabaf. Notre petite Carabaf. Petite attention, c'est une femelle, j'avais oublié. Pistolet à eau. C'est vrai que j'ai appris des attaques assez déjantées à mon Carabaf. Ultima point, Ultima Washi. Bon. Pourquoi pas. Bravo, tu es plutôt balèze. Je ne crois pas que tu étais à la fête. Non, je n'étais pas à la fête. Fillette Maël. Un ratata. Vive attaque, allez. Pikachu. Kadabra. Rafale Psy. Fils de Vive Attaque, vas-y, fais-toi plaisir. Fiat Maël, relax, t'énerve pas. Mais je suis calme. Attaque plus. Mon papa et moi, on pense que le parc safari, il est génial. As-tu déjà vu le parc safari à Parmani? On y trouve plein de Pokémon rares. Mm-hmm. Intéressant. J'adore la musique de l'océan. Le capitaine avait l'air tout palo. C'est assez fréquent d'avoir le mal de mer. Et voilà, et on a bien fini cette zone. Mais avant d'aller plus loin, nous allons nous soigner. Et vous allez voir pourquoi. Hop, on va y aller en courant, ça ira plus vite. C'est vrai que dans le jeu, j'avais oublié qu'on pouvait courir. Ça fait tellement longtemps que j'y avais pas joué que du coup, ça va mieux que de marcher. Souvenez-vous, dans les toutes premières versions, là, dans les deux premières générations, on ne pouvait pas courir encore. On faisait tout le jeu en marchant, c'était très long des fois les voyages. Hop. Voilà pourquoi. Blue, salut Red. Toi, ici, sans blague. Red, tu as reçu une invitation? Où en es-tu avec ton Pokédex? Moi, j'ai déjà trouvé 40 Pokémon. Et ils sont de différents types. Il y en a partout, tu n'as qu'à ramper dans les eaux termes. Écoute, moi, c'est pas compléter mon Pokédex qui m'intéresse, c'est monter une équipe de dingue. Un combat est lancé par Rival Blue. Le Pokédex, c'est beaucoup trop long à faire. Mais c'est intéressant à faire aussi. Mais c'est optionnel. Avoir un Pokédex rempli ne va pas t'aider à gagner contre les dresseurs. Parce que moi, surtout, j'utilise même pas le quart du Pokédex, alors. Voilà, on coupe ce KO. Attaque. Non, on va continuer avec Roukoups pour l'instant. On va continuer avec Roukoups. Oups, excusez-moi, petit bug. J'ai involontairement appuyé sur le bouton de stop de frappe. Et du coup, ça fait que ça a arrêté d'enregistrer pendant un petit moment. Vous avez rien loupé, juste une attaque tornade. Mais par contre, c'est moi qui vais rigoler sur le montage vidéo, par contre, à retravailler le truc. Aïe, 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 ça va pas être facile. Le plus dur, c'est toujours calé dans une vidéo. Mais une fois que c'est fait, après, ça va tout seul. Donc, Kadabra, on va prendre Carabaf. Carabaf qui a l'attaque morsure, ça va faire de l'effet à Kadabra. Hop, morsure. Précision baisse. Ah non! Ça commence bien. Oh bah c'est génial! Allez, morsure est mise sous entrave, c'est magnifique! Bon, il m'emmerde déjà.
Allez, recoups. On retourne au combat finalement. Ah, c'est pas vrai. À peine j'ai mon carabaf que je peux plus attaquer avec lui. Ah, vive attaque. Oh, j'ai fait bien mal. Dégage. Voilà. Et niveau 27, recoupe. C'est parfait. Il a quoi? Ah, il a plus d'attaque que d'attaque spéciale, c'est ça. Donc vivement que j'apprenne cruel. Ah! Eh ben, en parlant de ça... oui, j'apprends cruel. Alors... Qu'est-ce que je peux virer? On va virer Cyclone, ça sert à rien cette attaque. Je m'en sers jamais de cette attaque. Et je ne m'en servirai jamais. Air bizarre. Alors on va changer parce que notre pauvre Rokoups est un peu mal au point. Mal en point. Oh, d'accord, j'ai trop appuyé, c'est pas grave. Loupé. Rafapsi. Et c'est fini. Voilà, on a battu Blue. Encore une fois, on l'a explosé, comme d'habitude, pour pas changer. Kadabra monte au niveau 26. C'est parfait. Vous avez battu Rival Blue. Mouaf. Au moins, tu t'occupes de tes Pokémon. Ouais. Il y a le maître de la capacité coupe à bord. Mais ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La capacité coupe est très utile. Tu devrais le rencontrer. Allez, salut. Bien, c'est parfait. Voyons voir. Qui est dans ce style? Kangirl, mal de mer, le capitaine lit le manuel. Blorf, je suis pas bien. Blorp. Red tape dans le dos du capitaine. Tap, tap, tap. Merci, Moussaillon. Ça va beaucoup mieux. Mince, d'abord, tu veux voir la capacité coupe? Je pourrais te la montrer, mais je suis malade. Je sais, prends ça, c'est une capsule secrète. Elle contient la capacité coupe. Enseigne-la à tes Pokémon. Procédé quand tu veux. Red obtient CS1. Avec coupe, tu peux abattre les petits arbres. Tu devrais essayer sur les arbres près de Carmin-sur-Mer. Merci. Ah, maintenant que je suis guéri, on va pouvoir lever l'encre. Le sein va bientôt partir. Bon vent, nous reviendrons maintenant à Carmin-sur-Mer. Ouais, et ben c'est marrant, mais je vous ai jamais revu revenir, final, à Carmin-sur-Mer. Enfin voilà, l'important est fait, nous avons la CS coupe, on a torché le bateau, on a défoncé tous les dresseurs, on a tout fouillé, on n'a rien oublié. Donc on peut quitter l'océan, on va aller au centre Pokémon. Et on regarde le départ du bateau. Parfait. Voilà, c'est parfait ça. Bien, bien, bien. Juste un truc. Est-ce que on y était allé là? Ah non, donc on n'avait pas fait cette zone. On y va, mais triche pas. Donc cette zone, on l'a pas fait. Donc on la fera dans le prochain épisode rapidement. Parce qu'en gros, on va s'arrêter pour celui-ci. On va s'arrêter pour celui-ci. On va s'arrêter pour celui-ci parce que là, ça commence à durer un peu. Et là, faut que j'attaque le montage. C'est super efficace. Et voilà, vous avez battu Gamma Eddy. Ah, c'est pas vrai. Et si. Bon, voilà. Bon, cette zone-là, on la fera donc dans le prochain épisode. Juste avant d'aller à l'arène pour monter encore de niveau. Et voilà. On va au centre Pokémon pour commencer. Bienvenue dans le centre Pokémon. Voulez-vous que je m'occupe de Pokémon? Oui, ok, je prends Pokémon un instant. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme. A bientôt. Voilà les amis, donc on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Bah, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu.
Je ne regarde pas tout de suite, je regarderai si l'épisode a bien été tourné. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que le retour, voilà, vous l'aurez attendu, certains l'ont attendu, je le sais. Voilà, donc désolé encore hein, pour cette longue absence, mais voilà, ça revient. Et maintenant, j'essaie de ressortir les épisodes rapidement. Et puis voilà, donc dans le prochain épisode, au programme, on ira sur la petite route à l'est de Carmaux-sur-Mer, et on fera l'arène. Avant de repartir de Carmaux-sur-Mer, voilà. Et puis voilà, tranquillement, hein, ça prendra pas trop de temps, je pense. On verra comment on torchera ça. Enfin bref, il n'y a pas que ça à faire. Faut qu'on aille dans la cage Topicker aussi, parce qu'on a la CS, c'est encore une CS à ce moment-là, je sais plus. Ouais, enfin, on a Flash à récupérer pour pouvoir aller dans la grotte qui mènera à la suite de l'histoire. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert pour cette vidéo, à me donner vos avis. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode de notre LSP sur Pokémon version vert. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.